Bon. Après cette run exceptionnelle avec The Lost, première run de la save, et on fait The Beast. Easy peasy. On se fait un petit challenge, histoire de retomber un peu en pression. Have a heart. Ah! J'ai machin. Avec un seul cœur. Enfin, full cœur rouge. Mais zéro cœur plein. Et il va falloir que j'en gagne. Avec Charm of the Vampire. Qui tous les... je sais plus, c'est tous les 13 ennemis ou un truc dans le genre. Me donne un cœur quoi. Par contre, challenge avec, avec salle d'item. Ça c'est cool. Et faut aller jusqu'à It Lives. Enfin, jusqu'à Mom's Art même d'ailleurs. Je crois que dans les challenges, quand c'est comme ça, c'est Mom's Art, c'est même pas It Lives. Ah mais ouais, je voulais ça moi. Moi je voulais la stopwatch. Merde, j'ai pas eu le... J'ai pas eu le rocher marqué. Merde, 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 merde. Il va trop vite, il va trop vite. Ah, elles vont vite les araignées maintenant quand même. Pas de la vie. Hein. Ah, ça me donne rien. Ah, la vie, ça me donne rien. Je peux pas choper de cœur rouge, c'est ça? C'est pas cool, ça. Et puis j'ai plus de bombes. Dommage. La stopwatch aurait été cool. La stopwatch aurait été GG easy win. C'est bien des salles avec plein de d'ennemis, ça me rapproche, voilà. Ça me permet de recharger mes cœurs. C'est plutôt cool. Tant que ça reste des petits ennemis, genre des araignées, des trucs comme ça, ça me va. Ah, idéalement, faudrait que ça pète dans... ouais. Faudrait que tu pètes ici, toi. Toi, la rouge... non, ouais, en fait, faudrait que la rouge pète ici. Merde. Un jour je vais y arriver, hein, promis. Viens toi. Viens par là. Petite rouge. Merde. Merde. Bon bah y'a rien qui a pété comme j'ai voulu. Bon, super. Y'a rien qui a pété comme j'ai voulu. Bon, et ça a quand même ouvert ici. Coup de bol. Mais ça a vraiment pas pété comme j'ai voulu. Hein. Où on va en premier? On va aller au shop en premier. La Bible. La Bible me permettrait de faciliter le vin. Le challenge. Unicorn Stump me permet d'aller dans le...
dans la curse en prenant qu'un demi-cœur. Merde. Ok, j'ai de la range. J'aurais préféré du tier zap, hein, mais... On me donne de la range, c'est déjà pas mal. Ouais. Une jolie mouche. Et on récupère vraiment zéro cœur sur ce challenge, hein. C'est ça en fait. Ah non, je peux. C'est bien, j'ai plein de sous. Il me les fallait au premier étage, mais... la Bible ou pas la Bible ? La Bible me permet de récupérer des trucs, c'est cool. Elle est bien cette petite collation, je l'aime bien. Et Flooded Caves. Alors que revoilà le Flooded Caves. Je vais mourir. Voilà. C'est évident. C'était évident. Que j'allais me prendre la max. Alors, le rasoir. Un bon objet de défense. Et là, globalement, sur ce challenge, c'est ce qu'il me faut, c'est de la défense. Pour éviter de me faire toucher et donc remplir ma barre de vie. Donc la question se pose pas trop. Comment je peux faire? Comme ça? Ouais. Ah oui, je peux pas. Oh, les cœurs bleus, bah oui, je suis con. Oh, je vais mourir. Merde, merde, merde. Ah, ça y est. J'ai avalé. Ah bah non, ça y est, je vais mourir. Voilà. Non. Ah, c'est normal, c'est normal.
Scorpio, ouais. Scorpio qui est un bon objet. Hein. On fait du poison à toutes les larmes. C'est pas dépendant de la chance. C'est vraiment une larme égale du poison, quoi. Ah mais j'ai des super premiers shops là. Il se passe quoi? Tous mes premiers shops ils sont bien là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? La secrète est pas à côté du boss, c'est sûr. Melzekiel invoque Evergreen dans 78 jours. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles tu. Mais vas-y, invoque. T'as loupé les informations autour d'Evergreen? Probablement. Ça c'était pas très malin. Ça franchement c'était pas très malin. C'est pas le meilleur move que j'ai fait de ma vie dans Isaac. Hein. Par flemme de bouger. Par flemme de bouger, je me fais toucher quoi. Ok. Alors j'aurai peut-être pas le pentagramme sur cette run, la bible sur cette run, mais ça me va quand même comme début. Hein. Ah, canal de Suez. Ah oui, d'accord. Evergreen, un bateau de la compagnie. Oui, 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 ok, 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 ok. Oui, oui, oui. C'est pas fini ces conneries? Si, mais du coup, je peux invoquer un autre dans 78 jours pour bloquer le matériel. Ah! Est-ce que ça passera par là? Tu ne sais pas. Bon, en plus, ça passera même pas par là. Ça passe par avion, alors. Oui. C'est provenance de la Chine, donc c'est par avion direct et pas bateau, quoi. Honnêtement, sur les commandes que j'ai pu faire chez AliExpress, c'est envoyé rapidement et tout. Hein. Le temps qui est passé, qui est le plus long, c'est la douane. Hein. Et merde. Oh non, le jeu. Je commençais bien le jeu. Pourquoi t'es méchant avec moi? Merde. Oh, j'ai tellement chié sur mes deux bombes quoi. Y'a pas une qui était bien. Hein.
Ah, du HP up, ça me sert. Ah non! Ah non, parce que le HP up peut me servir. Là, genre, Devil Deal. Genre, Devil Deal le plus merdique que j'ai vu de ma vie. Et bah bien de la merde. Quel débilou. Je peux avoir deux pièces pour 5 balles. Attention hein. Attention. Mr. Good Deal. Deux pièces pour 5 balles. Je pose la question aux gens qui ne connaissent pas Isaac. Est-ce que d'après vous, c'est un bon plan ou pas? Ça, c'est un très mauvais plan là. Je suis en train de faire, mais je vais le faire quand même. Parce que j'ai pas de bombe. Et dans le désespoir. Bah voilà. Je prends des mesures désespérées quoi. Something's wrong. Mladam. J'ai 16 balles. Alors soit je pars sur la thune, soit je pars sur le principe que j'aurai des bombes et des mouches à un moment. Soit je pars du principe que j'aurai les deux. Voilà. Je vais pas péter tous les pots comme ça parce que on va pas en finir sinon. Je regarde juste s'il y a un petit rocher marqué, non. Et je m'en vais. Et je vais récupérer mes pièces aussi. Voilà.
Non, Book of Revelation, ça me donnerait rien. Ça me donnerait rien. Bah, j'ai acheté ça pour rien, du coup, c'est ça? Chiant. Ok. Encore un bouquin, mais on rate le jeu maintenant. Book of Secrets. Ah, Magic moche. Mais il se débloque Magic moche ou quoi? Je suis en train de me poser la question en fait. Peut-être que je l'ai eu dans un challenge Magic moche. Enfin, un challenge ou une daily run. J'ai l'impression de pas l'avoir dans les dans mes runs normales. Ah non, je suis dans un challenge là. Ouais, je sais pas en fait. C'est devenu bien quand même hein, les objets de secret. Hein. Avant c'était vraiment merdique. Sauf 2-3 exceptions. Non mais je... J'ai perdu mon Devil Deal sur... Alors que j'en aurais pu... Oui, en plus. J'aurais pu utiliser... La Bible, en plus. J'ai fait le con. Voilà. Oh mais non. Mais non mais le jeu, tu peux pas me faire ça. Speed, our friends till the end. Tears, paralysis. Eh bah, c'était plutôt un bon plan. C'était plutôt un bon plan. Pigeon Boy. Ça va, c'est pas la thune qui me manque hein, sur cette run. Ok. Thank you.
trouve. On va espérer que ce soit là. Yes. Yes. C'est bon la mozza fumée. Si vous connaissez pas, mangez-en. Speed up. Et mon chat. Non non non, par contre c'est à moi la mozza. Hein. non, la mozza c'est à moi. Hein. Je t'ai balancé des croquettes là il y a 10 minutes. Je vais pas me bouffer ma mozza. Hein. Je te jure. Non. Comment je fais pour avoir autant de thunes là? Comme si c'était pas suffisant, un plus un quoi. Ok. Je commence à être assez fort et donc je me fais plus trop toucher. Donc ma vie commence à remonter. C'est plutôt cool. On va pouvoir commencer à speeder un peu. Oh, il s'est pris la bombe. C'était pas fait exprès, hein, mais. Il a pris en pleine poire. Et 77%. 77%, c'est 0%. Tout le monde le sait. Hop. Alors. Hop, hop. Oh bah c'est bon, parfait. J'allais dire quelle connerie, mais non. Ça y est, j'ai toute ma vie. Enfin. Pouvoir aller prendre des dégâts maintenant. Dommage. Ok, un Lucky Penny, c'est cool. Chaque étage là? Nécropole 1, ok. SMB super fan, c'est cool. Thank you.
Oh là oh là oh là oh. Oh la richesse. Eh hey, salut Mitsuki. Coucou Mitsu. Merci beaucoup pour le raid. Et bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Et bon bah du coup voilà, aujourd'hui tu ne peux pas lurker en me regardant jouer à Isaac. Je sais que tu es là. Je sais que ça y aura pas de lurk. Je sais que tu es là. Ça me fait. Il y aura bien qui veut jouer avec le carton. Qui est dans le bureau. Je t'en prie, je dois filer manger. Je reviens. Bon courage pour ta run, merci beaucoup. La couverture est foutue, ouais, non, vraiment, la couverture est foutue. Bah, bienvenue à tout le monde. C'est la première fois que vous venez sur mon stream. Déjà, c'est une erreur, évidemment. Mais ensuite, voilà. Je fais pas mal de Isaac en ce moment depuis la sortie de Repentance, faut le savoir. Après, je fais d'autres jeux à côté. Je suis multigaming. Et en ce moment, j'ai attaqué les Deponia. Je suis sur Metroid Prime 2. Je fais du Mario aussi. Bref, je fais tout plein de choses. Et de toute façon, si Mitsuki vous a envoyé ici, c'est évidemment que je suis une personne de qualité. Sinon, elle n'aurait pas osé vous envoyer là. Et là, je viens de perdre mes chances de Devil Deal et je suis bien écouté. Si jamais vous avez des chances... Si jamais vous avez des questions sur Isaac, n'hésitez pas hein, dans le chat. Je sais que maintenant j'ai l'habitude un peu de jouer au jeu et Rabia est complètement dingue. Là, vous avez vu passer mon chat. Je suis habitué au jeu maintenant, donc c'est vrai qu'il y a des fois des trucs que j'explique pas. Mais parce que par habitude en fait. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, je suis là pour ça. Enfin pas que, hein, mais... Donc là je suis sur un challenge. On m'a donné un perso avec tous mes cœurs rouges mais vides. Et un objet qui me permet de recharger mes cœurs rouges quand je tue des ennemis. Oh non mais... Et là je viens de prendre un objet de merde. Et je regrette. Voilà. J'ai pris un objet qui fait que je contrôle une grosse larme qui va sur les ennemis. Mais j'ai plus mes larmes. Et c'est horrible à jouer. Parce que faut aller chercher les ennemis mais continuer à regarder son perso, donc faut avoir un peu les yeux dans les coins quoi. Et voilà. Donc j'avais une bonne run et je me retrouve avec une run pourrie à cause de moi qui a choisi de prendre un objet au pif que je ne voyais pas. Toujours une connerie. Hein. Et là je vais pas assez vite. Heureusement que j'ai le poison. Alors c'est un avantage cet objet, c'est que je peux tabasser de loin, comme ça je me mets loin et puis je suis hors de portée. Mais à contrôler c'est horrible, et puis en plus j'ai pas de shot speed, oh là là. Donc c'est très chiant, voilà. Il est pas mort? Donc là en plus faut que je reste longtemps appuyé sur le bouton. Et quand je reste longtemps appuyé sur le bouton, en fait, je proute des... je proute des bombes. Ce qui est pas fait pour m'aider, quoi. Enfin, quitte à piffer des trucs, hein. Quitte à piffer des trucs, autant les piffer pour de bon. Les coffres rouges... Du shot speed. Pas grave. Ça c'est bien. Tears up, ça me sert plus. Dommage. Pretty fly.
On va prendre le I Can See Forever. Qui me servira sur l'étage d'après. Hop. Non, me touche pas. Non. Il y a du caca partout. C'est rare dans Isaac. Hein. Hop là. Mom, c'est terminé. Ah ouais, mais là j'ai envie. Là j'ai envie. C'est quoi? Hungry Soul. Black Powder, ok. Et le jus de Jésus. Ok, bon bah cool. Ah, il y avait un rocher marqué. J'ai loupé le rocher marqué. Ouais, le I Can See Forever, on va l'utiliser maintenant. Ah merde, oh, ça va être chiant. Ouais, oh là, bien. En fait, je devrais bomber les portes. Hein. J'irai plus vite. Hein. Genre celle-là, là, par exemple, mériterait d'être bombée. Quoique. Ah non, j'ai toujours les récompenses de salle, quoi. Là, c'est nul, c'est pas par là. On va remonter, ouais. Du coup, j'ai bien fait de finir celle d'avant. Ok, on va espérer que ce soit par là. A priori, ça devrait être dans le coin. Pas envie de la faire cette salle. Voilà. Le boss, il est là. Dommage. J'ai quand même mon Devil Deal. Du Tears Up, ça me sert à rien. Mais Incubus, il va tirer comment lui? Ah, Incubus, il fait quand même... Ah d'accord. Dommage. Je pensais que Incubus, il ferait mes larmes normales, mais non. À gauche, c'est un mimique et on va pas le prendre. The World m'intéresse beaucoup. Comme ça, on va pouvoir aller directement au boss. Sans chercher pendant des heures. Voilà. Cette salle a été chiante. Hein. Clairement, j'avais pas envie de me la taper. En plus, là, j'ai juste à aller au boss et puis à appuyer sur mon activable pour le tuer. Donc, on va choisir la facilité. Hein. Ouais, pas mal. Il y a beaucoup de troll bombes, je trouve, là. Ok. Elle vient me chercher, hein.
Elle vient me chercher, elle vient au contact. Hein. Hop là. Donc, normalement, on ne one-shot pas les ennemis comme ça. Hein, mais j'ai la Bible. Et encore de nouvelles pilules. Bah, c'est cool. Bisous YouTube. Ah zut, ça a planté.